ce soir 5 super terriens. Stéphane Bern, David Ginola, Jérémy Ferrari, Estelle Lefébure et Laurent Baffie. Premier terrien invité ce soir, Stéphane Patrimoine. Monsieur Patrimoine, bonjour. Quand vous réservez au restaurant maintenant, vous dites c'est pour Monsieur Patrimoine. Non, non. Ah non. Les gens me connaissent sous mon nom. Ah oui. Stéphane Bern. Ah oui, d'accord. C'est encore mieux Monsieur Patrimoine, moi je trouve. Je sais pas. Déjà qu'une ruine étant moi-même. Oh non. Fishing for compliment. Mais Lucide, une belle ruine alors. Merci, ouais. Merci. Ah. Déjà m'avoir placé entre deux bombes, c'est difficile. Ouais. En même temps. Par contraste, tu ne peux pas dire bombe. Hein. Alors on dit plus bon. Référence aux attentats, t'as plus le droit. Autre terrien invité ce soir. Le 19 mai 2016, il a vu la mort en face, mais il lui a fait un petit pont. C'est David Ginola. Bravo. Autre terrien invité ce soir, la preuve que les comiques peuvent aussi se radicaliser. Jérémy Ferrari. Bonsoir. Et notre terrienne de la semaine. La plus belle chose qui soit venue de Normandie à Paris depuis les soldats américains en 1944. Merci. Estelle Lefébure. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag SLT. Voilà. Et maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Ouais. Ça va Thierry ? Balance ton porc. Voilà. Notre première invitée, ça a été une femme de deux fois, mais maintenant je fais gaffe à ce que je dis. Hein. C'est surtout une femme avec un grand F, et en ces moments troubles, on en a bien besoin. C'est Estelle Lefébure. Bravo. Estelle Lefébure, mannequin, actrice, animatrice télé, puis depuis quelques temps, vous êtes une sorte de coach de vie. Voilà, elle a sorti plusieurs livres sur le bien-être et le yoga, qui s'appelle Orahe. Voilà, c'est toute une saga. Orahe en maori, Ora c'est la santé et Oe c'est le paddle. Non mais c'est un mot valise, c'est comme adolescent, adulte et adolescent, ou produlé, c'est producteur et enculé. Enfin bon, bref, après voilà, c'est. Voilà. T'as des choses à dire peut-être. C'est juste pour... des confidences à nous faire. Non, en tout cas, c'est juste pour rire. Donc, le livre Orahe, le bien-être pour les enfants. Voilà, vous donnez vos secrets pour s'épanouir en famille. Et j'ai une amie qui est maman et qui m'a donné son secret pour s'épanouir, c'est de faire garder ses mômes. Voilà, ça c'est le meilleur. Non mais en tout cas, le livre est formidable. Il y a de très belles photos dedans pour se détendre avec ses enfants. Par exemple, il y a voilà le flamant rose avec son bébé sur les épaules. Il y a le double flamant rose. Et il y a la 3... ouais, alors là, j'ai pas le nom. J'ai un nombre en tête, j'ai un chiffre. Thierry, t'es mort. Je tomberai après vous. Le prochain, il compte autant de décorations que Estelle Lefébure a eu de couverture de Elle, que David Ginola a marqué de but dans toute sa carrière, ou que Patrick Balkany a de condamnation au cul. C'est Stéphane Bern, mesdames et messieurs. Alors là, pareil, Thierry, la semaine dernière, on avait Lorànt Deutsch. Là, cette semaine, on a Stéphane Bern. La semaine prochaine, c'est qui? C'est Franck Ferrand? Exactement, je pensais à Franck Ferrand. Ah bah bon. Il y a un contrôle d'histoire qui se prépare? Oui. Non, c'est encore un royaliste. Ou alors, il y a une révolution et on n'est pas au courant. Pourtant, les têtes vont tomber. Il suffit de regarder le président Macron pour comprendre qu'on a pris le pouvoir, les royalistes. Stéphane Bern, en tout cas, il a vu tous les plus beaux bijoux de famille du monde et sans jamais aller aux chandelles. Bravo. T'as compris? Oui, bah oui, quand même. T'as compris? Ouais. Et il est là ce soir pour son livre Secrets d'Histoire, c'est le numéro 8. Ouais. C'est comme les Fast and Furious, il y en a un par an, on s'en regarde plus. Et non, c'est sur la Renaissance. Là, donc la Renaissance, en gros, c'est une période qui démarre à peu près au XIIIe siècle, qui finit au XVIIe, c'était après le Moyen-Âge. Voilà, il y avait une envie de raffinement, de savoir. C'est une période où les hommes mettaient des perruques et faisaient caca derrière les rideaux, comme chez Patrick Sébastien. Et... à chaque fois que vous faites un secret de l'histoire, c'est extraordinaire. Il y a 30% d'augmentation du public dans les 5 ans qui suivent. Voilà. Ça ne vous dirait pas de faire un secret d'histoire sur Canal+. Notre troisième invité, Thierry, il a été footballeur. Aujourd'hui, il est animateur télé. C'est grosso modo le même métier. Tu bosses une fois par semaine pendant 90 minutes. C'est David Ginola. Ouais, regardez, Thierry ici, il me dit, David, c'est incroyable, il était beau jeune, il est encore plus beau en vieillissant. Ça, David, en fait, c'est comme certains plats, il est bon le soir, mais il est meilleur réchauffé le lendemain. En fait, Ginola, c'est des lasagnes, vraiment. Des lasagnes. Des lasagnes. Je veux dire quand il y a une couche. Ah bon. Non mais voilà, bon, il y a eu un petit accident l'année dernière et c'était Pokora qui vous avait réanimé. Et pour vous réveiller, il avait chanté. Et non, et du coup, non, vous avez animé l'émission Pokora and Friends. C'est encore Pokora, ça va, mais si tu dois animer une émission parce qu'un mec t'a sauvé la vie, j'espère que Nikos et Larousseau seront jamais ensemble. Vraiment, c'est... Et puis pour terminer, c'est le prince de l'humour noir. Enfin, d'ailleurs, faut plus dire noir, Thierry. C'est le prince de l'humour, de la diversité. C'est Jérémy Ferrari. Et voilà, Jérémy. Jérémy Ferrari, son spectacle s'appelle Vent de pièces à Beyrouth. Il publie un livre qui s'appelle Happy Hour à Mossoul. J'attends le film Speed Dating à Bagdad ou Gangbang à Raqqa très rapidement. Gangbang à Raqqa. Gangbang à Raqqa. On va pas si bien dire. Ouais. Non mais c'est un livre d'histoire, mais drôle et pas relou. Et ça c'est extraordinaire. Faut faire gaffe parce que voilà, t'as fait un spectacle drôle et intelligent. Là tu sors un livre drôle et intelligent. Tu vas les avoir, t'es 3T dans Télérama. Hein. Vraiment, tu vas l'avoir ton Molière. Lire un Molière, ouais. Non mais bon, voilà. En tout cas, on sera là pour te rappeler que pendant 2 ans, t'as accepté de te faire noter par Jean Benguigui, et ça, t'inquiète pas. Et Jérémy qui prépare un biopic sur Philippe Croizon, je crois, c'est ça? Ouais. Donc du coup, on sait qui tape à l'ordinateur, et... Non mais Jérémy, il avait pris une photo de Marion Maréchal parce qu'il s'était retrouvé dans le même TGV. Il avait pris une photo en cachette. On a la photo. Et en sous-titre, t'avais mis attention, une erreur s'est glissée dans la photo. La trouverez-vous. Voilà. J'étais un peu déçu venant de ta part. Je m'attendais à un truc un peu plus corrosif, genre après les Juifs, la SNCF se rattrape en déportant les racistes. Mais bon. Et surtout, Thierry, foncez voir le One Man. Moi, je l'ai vu l'année dernière au Folies Bergère, Vent de pièces à Beyrouth, voilà, qui est formidable. Il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi Daesh Magazine qui dit « C'est le mécréant le plus drôle de sa génération, on le tuera le dernier. » Allez Thierry, bonne émission. Merci. C'était comme là, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur TV.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre théotop du top de la semaine. Braves gens, faites battre tambours et trompettes. Mon premier invité de ce soir est le damoiseau favori de notre roi bien-aimé. J'ai nommé Stéphane Bern. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Là, je crois que dans genre cliché... C'est puni, là, quand même. Dans genre cliché, on ne peut pas faire plus. C'est vrai que quand on fait les reconstitutions historiques, eh bien, il faut se méfier parce que les photos des costumes, après, vous poursuivent. Vous n'êtes pas habillé comme ça dans... Non, en fait, non. Non, je ne m'habille jamais comme ça. Ah ouais, c'est dommage. Alors, oui, je sais, Menteur. Vous allez être bientôt... On ne te voit plus aux soirées. J'ai perdu mon loup. J'ai perdu mon loup. Alors Stéphane, vous êtes ici ce soir donc pour le tome 8 de Secrets d'Histoire, intitulé La Renaissance et publié chez Albin Michel. Vous y dressez le portrait d'une vingtaine de personnalités qui ont marqué la Renaissance. Léonard de Vinci, Lucrèce Borgia, Machiavel. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une époque de renaissance ou de déclin? Il y a une forme de renaissance, mais c'est pas lié à tel ou tel... Non, 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 c'est pas lié à telle ou telle personnalité qui aurait été lue. C'est que la période de renaissance, on quittait les ténèbres du Moyen-Âge, où au fond c'était le temps de la foi unanime aussi, et tout d'un coup on arrive vers une période de remise en question, mais où on réétudie les textes classiques et on remet l'être humain au cœur de la société. Et c'est ce qui m'intéresse dans la Renaissance. À ce moment-là, on s'intéresse à notre bien-être. Et on retrouve ça en ce moment. On parle d'écologie. T'as pas l'impression qu'on retrouve les ténèbres, plutôt? Il y a, d'une certaine manière, les ténèbres, mais la Renaissance, c'est aussi les guerres de religion. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on remet l'être humain au cœur de la société. Alors, non mais c'est vrai, quand on regarde ce qu'a produit la Renaissance, il y a la lunette de Galilée, la révolution copernicienne, l'usage de la langue française, les châteaux de la Loire, les peintures de Michel-Ange de Raphaël. Léonard de Vinci, évidemment, dont on fêtera en 2019 le 5e centenaire de sa mort au château d'Amboise, où il est enterré. C'est incroyable, chaque fois que je suis à Amboise, je vois la foule qui... Il n'est pas mort au Clos Lucé. Il est mort au Clos Lucé, mais il est enterré au château d'Amboise. Donc t'as fait une petite faute historique. Ne cherche pas là-dessus. Non, je dis où il est enterré. Il est enterré dans la chapelle du château d'Amboise. D'accord. Et donc il y a des touristes du monde entier qui viennent. C'est une personnalité hors norme quand même. Et donc, je trouve que ce qu'on a laissé, ce que l'histoire a laissé il y a 5 siècles, est toujours d'actualité. C'est vrai que les châteaux de la Loire, le château de Chambord, par exemple, il n'a jamais vu. On pense qu'il a fait les plans, qu'il a dessiné. Cet escalier, il y a l'escalier, il y a le château de l'escalier. Exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est l'honneur de Vincent. Non, son livre est passionnant. Alors on va voir, justement, je vous pose une question à tous. Pourquoi Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde de la main gauche? Parce qu'il était gaucher. Bravo. Et on pense qu'il a plutôt peint, même dans Jean-Baptiste, il a plutôt peint Salaï, son amant. On retrouve les traits de... La Joconde, ce serait son amant? Ce serait Salaï, qu'il a connu à 10 ans. Alors, vous parlez de Lucrèce Borgia. Oui. Alors, Lucrèce Borgia, c'est incroyable. C'est la fille d'un pape. C'est quand même assez... C'est pas tout le monde peut dire qu'on est la fille d'un pape. Ensuite, elle avait sans doute une relation incestueuse avec son frère César, qui a fait assassiner tous ces mecs. C'est Game of Thrones. Et elle était ouvertement infidèle, mais quand on sait ce que vous racontez, que son mari Alphonse 1er avait invité pour son mariage 50 prostituées. C'est-à-dire qu'on super mariage, quand même. Le jour où il s'est balancé. Et le beau-père, le pape, est venu aussi. Il y a Balance ton porc. C'est une drôle d'histoire, hein. Non, mais c'est vrai qu'on avait une autre vision. Mais c'est un personnage qui est emblématique, quand même, de cette Renaissance. D'abord parce que tout ce qui se passe en Italie à ce moment-là est vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu la prise de Constantinople par les Turcs. À ce moment-là, tous les savants qui étaient à Constantinople viennent en Italie. Et donc, on se retrouve avec une effervescence intellectuelle, artistique. Et donc, c'est l'époque de Raphaël, c'est l'époque de Michel-Ange. C'est quand même fou, cette époque où les peintres avaient des noms de tortues ninja. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, c'est l'époque de Dürer qui est votre peintre préféré. C'est un de mes peintres préférés. Bien sûr, de Gutenberg, enfin, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que c'est l'époque aussi où Gutenberg, quelques années auparavant, a inventé la imprimerie, ce qui nous permet aussi de replonger dans les textes anciens, de les republier. Premier texte qui a été... 180, le B42. Bravo, c'est... 180 exemplaires. Oui. B42, parce qu'il y avait 42 lignes. Bible 42. Exactement. Tu sais, comme personne ne comprend ce que tu dis, tu n'épates que Stéphane. Hein. Mais déjà, épater Stéphane Bern, c'est quand même très fort en histoire. Épater la galerie. Épater la galerie est une expression qui vient de la Renaissance, puisque François 1er jouait au jeu de paume et que les gens qui assistaient au jeu de paume étaient dans une galerie et donc il fallait épater la galerie. En tout cas, à l'époque, la France dominait le monde. On le voit dans votre livre autrement que par ses sacs à main. Du clavecin. Oh, toi, si tu balances ton porc. Balance pas ton porc. Oh là 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 là. Alors, Stéphane Bern, donc Secrets d'Histoire, tome 8 chez Albin Michel. Comme vous l'avez compris, c'est très intéressant. La prochaine émission de Secrets d'Histoire, c'est sur Agatha Christie. Agatha Christie qui passe la semaine prochaine. Ça va rassurer Jean-Luc Mélenchon, qui vous reproche que 60% de vos émissions soient consacrées au roi et seulement 6% aux héros de la République. Le problème, c'est que quand vous faites Louis XVI, qui est le roi le plus décrié de tous les temps, vous faites 4,5 millions, et quand vous faites... Danton, les femmes de la Révolution, Clémenceau, Picasso... Vous faites 2,5 millions. Pardon de le dire, mais... Les gens préfèrent Louis XVI, qu'est-ce que je voilà, et on fait Louis XVI, on fait 4,5 millions, il s'est énervé. Voilà. Faites Che Guevara. Du plaisir. Mais je ne fais pas là non plus pour faire plaisir à une personne. Oui. Quand on travaille sur le service public, on est pour faire plaisir. C'est pas ce que tu m'as dit hier. Alors, j'essaie de faire plaisir au maximum au-delà de Mélenchon, il y a Schneiderman dans Libération qui parle de la droite monarchisante, c'est-à-dire Lorànt Deutsch et Franck Ferrand, qui monopolise l'histoire à la télévision publique. Là, j'admets pas cette... D'abord, c'est une sorte de procès stalinien qu'on est en train de me faire. Je veux dire, c'est un délit... Est-ce que je mets au défi quiconque de regarder dans les émissions Secrets d'Histoire ou de lire dans mes livres les séries de Secrets d'Histoire quelque allusion, que ce soit à quelque tendresse que je peux avoir au fond de mon cœur pour... Vous relatez la politique, vous relatez l'histoire, les faits, alors... Des faits. Bien sûr que ce sont les faits. J'y mets un peu de passion, mais à aucun moment je dis... comment dire, je dis, ah ben le pauvre Louis XVI, non. Je parle de l'infortuné parce que c'est vrai. Dit en gros, ce que dit Schneiderman, c'est qu'à l'époque de l'ORTF, disons, il y avait André Castelot qui était collaborateur, mais il y avait aussi Stelvio Lorenzi qui était communiste. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de communiste. Mais si, par exemple, on peut. Laurent Geoffrin fait des émissions. Laurent Geoffrin, qui est très à gauche, effectivement. Qui est très à gauche, il fait aussi des émissions d'histoire. Oui. Il y en a d'autres. Mais elles ont moins de succès que les vôtres. Voilà. Alors on me reproche mon succès. D'avoir du succès. Voilà. Ben voilà. C'est le seul reproche qu'on fait. Daniel. Attends, si tu nous regardes, camembert. Mission impossible désormais, Stéphane. Vous avez une mission qui, je l'espère, ne sera pas impossible. Faire la liste des monuments à sauver en France et trouver l'argent pour le faire. Premier rapport à remettre dans 6 mois. Vous êtes devenu Monsieur Patrimoine. On parle de Bernard Montiel à la dissuasion nucléaire. Est-ce que c'est vrai? Non mais voyez, voilà, ça commence. Voilà, tout de suite, on rigole. Et voilà, on ricane. Pardon, Thierry, je n'ai pas attendu l'élection du président actuel pour m'intéresser au patrimoine. On est bien d'accord? On est bien d'accord. J'ai une certaine légitimité pour parler patrimoine. Ça fait 30 ans que je fais mon métier et que je vais de monument en monument en essayant de les mettre en lumière dans les émissions que je fais à la télévision. J'ai moi-même racheté un monument qui était une ruine. Je l'ai restauré dans les règles de l'art en écoutant à la fois les architectes des bâtiments de France, en écoutant tous les professionnels du patrimoine, les DRAC régionales, le Collège Royal et militaire de Thiron-Gardet. C'est ouvert l'été, ça ne sert à rien de faire la promo maintenant. Mais, mais je le dis, c'est dans le Perche. C'est un très joli coin, franchement. Et donc, tout ça pour dire que je n'ai pas attendu le président... C'est pas une combine pour les impôts? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je peux répondre sur cette question. Les gens disent, ah, mais le patrimoine, voilà, c'est une niche fiscale. Oui, le problème, c'est qu'on est arrivé à l'orée des chemins. Les propriétaires privés n'ont plus les moyens d'entretenir leur patrimoine. Donc, ça leur fait une belle jambe qu'on leur dise, c'est défiscalisé. Fiscalisé à 100%. Stéphane Bern à la protection du patrimoine, pour moi, c'est comme Nicolas Hulot à l'écologie. Voilà, il y a une légitimité. Il me semble. Il y a une légitimité. Elle ne se discute pas. Et en plus, certaines personnes ont assez d'humour. Il y a Lynn Renaud qui m'a appelé en me disant « Oh chérie, est-ce que tu m'inscris sur la liste ?» Voilà. Et moi, je vous ai appelé en me disant « Occupe-toi de la rue de Rivoli, parce que franchement, ça ressemble à rien. » voilà. Alors, plein de gens m'appellent. Bah ce qui m'inquiète peut-être, et je pose la question, c'est pourquoi tout d'un coup, j'ai autant de dossiers. Moi, je ne suis pas là pour me substituer à la puissance publique. Je suis là pour venir en aide. Je ne veux prendre la place de personne. Je vais simplement aider. C'est-à-dire, trouver d'abord, faire la liste. En fait, le recensement, ensuite, c'est Valérie Damido qui retape, c'est ça? Non, non, parce qu'il y a des règles. Et je rends hommage d'ailleurs à tous les professionnels du patrimoine qui font un travail dans l'ombre incroyable. Vous voulez organiser un tirage spécial du loto pour financer tout ça. Vous savez que l'argent du loto va déjà à l'État, de toute façon. De toute façon. Sauf que cette partie-là, au lieu d'aller, vous savez que ça va pour les associations sportives, et d'autre part, ça va pour les aides sociales. Voilà. Hein, c'est l'argent du loto qui est redistribué. Eh bien, n'oublions pas, reprenons l'histoire. La Loteria Nationale a été créée par François 1er à la Renaissance pour construire les monuments qui nous font rêver aujourd'hui. Puisque le loto a servi à construire ces monuments, pourquoi le loto aujourd'hui ne pourrait pas aider à les restaurer? Alors, il y a eu pas mal de critiques, effectivement, sur votre nomination. Vous avez répondu, si ces professionnels avaient autant de talent, sans doute le patrimoine serait en bonne santé. Voilà, déjà, prends-toi ça dans ta gueule. Hein. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'on m'oblige à sortir du bois, à dire des choses qui sont un peu... voilà, oui. C'est vrai, on est obligé d'être un peu rentre-dedans. mais c'est vrai qu'après, je veux pas... En même temps, c'est quand même une grosse caillera, quand même. Dès qu'on te fait chier, là, ça tape, hein. Ah, je suis bretteur. Moi, je me doutais pas de ça, bretteur. Je suis bretteur. Il dit pas « je suis une caillera », il dit « je suis bretteur ». C'est-à-dire que je me défends. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire mal. Mais il faut dire, j'entends tout et son contraire. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est quand même le déversoir total. Je ne veux pas me laisser... Elle a gardé son porc. Balance ton porc. Mais non, mais balance ton porc. Mais lequel? Il va changer de nom pendant toute l'émission. Mais je vais vous rajouter... D'abord, j'ai mon métier. Je suis à la radio, à la télé, j'écris mes livres. Je vis de ça. J'ai demandé à ce que cette mission soit bénévole. Je sais que dans notre pays, quand on est bénévole, c'est toujours un peu suspect. Est-ce que tu veux une assistante? Non, merci. J'ai une collaboratrice qui travaille avec moi. Eh bien, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Et puis, il y a plein de bénévoles qui m'ont appelé en me disant « Nous, on est prêts à vous aider. Je veux être bénévole parce que je veux être libre. » Heureusement qu'il y a du bénévolat en France, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Hein. Exactement. Et si j'avais eu des compétences médicales, je vous jure, David, je serais allé dans un hôpital aidé. Il a encore proctologue sans frontières, ils ont besoin. Et je sais qu'il y en a des trous du cul dans le métier. Hein. Stéphane, on continue après la pub avec vous. Voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Stéphane Bern, de David Ginola, de Jérémy Ferrari, d'Estelle Lefébure et de Laurent Baffie. Balance ton porc. Emmanuel, comme le soleil. Emmanuel, toujours de paix. Emmanuel, c'est mon Dieu. Alors Stéphane, on arrive aux choses sérieuses. Votre première rencontre avec Emmanuel Macron, vous manquez de l'écraser avec votre voiture. Il sortait du Sénat et il vous dit... Ma femme vous adore, elle ne me parle que de vous, elle aime beaucoup Secrets d'Histoire, venez dîner à la maison. Voilà. Alors, ma femme vous adore, c'est plutôt Colombo que Macron, a priori. Mais, bon. Mais c'est pas... c'est assez juste. Mesdames, en fait. Messieurs, oui. C'est un miracle. C'est beau. Ça commence comme une comédie romantique, donc vous manquez de l'écraser. Et l'amitié naît. Vous dites... Je sais reconnaître la vraie noblesse de cœur et d'intelligence. Emmanuel et Brigitte Macron ont cette incroyable empathie qu'on ne rencontre que chez les royaux. Voilà. J'en vois beaucoup des politiques. Oui. Je les vois tous. Oui. Et je ne dis pas pour qui j'ai des sympathies ou d'autres, je les vois tous. Certains vous tendent la main, vous serrent la main sans vous regarder ou en regardant derrière votre épaule pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un de plus important que vous. Et là, tout d'un coup, j'ai rencontré cet homme que je ne connaissais pas il y a 3 ans, et tout d'un coup, vous avez le sentiment qu'il vous écoute, qu'il s'intéresse à ce que vous dites. Et d'ailleurs, après, il peut vous répéter ce que vous avez dit. Cette femme que je découvre au premier dîner, je la trouve incroyable. Elle est brillante, très cultivée. On parle de littérature, on parle d'histoire, elle est passionnée par l'histoire, elle avait vu tous les secrets d'histoire, ça me flatte, c'est vrai, oui. C'est assez agréable. Il se trouve qu'en même temps, j'ai cette chance incroyable, c'est peut-être le seul privilège que j'ai, c'est de toucher à la fois les gens qui, dans la rue, aiment Secrets d'Histoire, jusqu'aux gens, par exemple, Bernadette Chirac m'a écrit une lettre en me disant qu'elle avait été fatiguée ces derniers temps et qu'elle regardait en boucle tous les Secrets d'Histoire. Oui, et ça vous touche, vous dites que vous touchez tout le monde avec une émission d'histoire. Alors, quand vous avez Brigitte Macron qui vous dit « Moi, c'est une de mes émissions préférées », que lui le dit dans sa campagne, je vous dis, ce type aime l'histoire, il aime le patrimoine. Aucun problème, vous avez le droit d'aimer Emmanuel Macron, qui est assez aimable. On ne peut pas me faire ce procès. Non, mais c'est pas... Moi, je ne vous fais pas un procès. Non, mais je sais, Thierry. Vous dites que vous lui trouvez un charisme incroyable. Oui, c'est assez vrai, absolument. Il a du charisme. En même temps, vous dites une absence totale d'arrogance. Je ne sais pas si on parle, si on parle du même, là. Mais écoutez, en tout cas, vis-à-vis de moi, j'en ai vu tellement... Ouais. Quand je fais l'émission Le Village Préféré, je passe mon temps dans des villages ou dans des villes avec des élus qui ne vous regardent même pas. Ils sont juste là pour la photo, en fait. Et donc, c'est agaçant. Lui s'intéresse vraiment à qui vous êtes, est-ce que vous faites... Non, mais tout va bien. Alors, vous étiez... Voilà, j'ai pas à dire que j'ai voté ou pas. C'est pas un tribunal populaire. Vous aimez qui vous voulez. Je m'entendais très bien avec François Hollande, qui m'avait demandé de l'aider pour le patrimoine. Là, c'est déjà plus bizarre. Ah non. Alors, vous étiez à la Rotonde, donc... au soir du premier tour, avec quelques radis, quelques cacahuètes, des croque-monsieur coupés en quatre. Alors vraiment, là, je dois dire, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Ah non, c'est vraiment simple. Pas du tout bling-bling. À qui vous tirez la langue? Ah oui, alors ça... à Delphine Ernotte. Non, j'ai aucune raison. J'adore Delphine Ernotte, j'aurais aucune raison de lui... À qui vous tirez la langue? Moi, c'est ça que j'ai ce tic, j'ai tendance peut-être à... J'ai les lèvres sèches, donc à me passer la langue sur les lèvres. Et juste à ce moment-là, le photographe de Voici a fait la photo. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, Stéphane, d'un effet Faudel? Juste une chose, je n'ai pas soutenu un président. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un ami qui m'invite à fêter le premier tour. Je vais prendre un verre et j'étais d'ailleurs, très logiquement, avec Lynn Renault, on était ensemble au deuxième tour. Point. Ma carrière ne va pas s'arrêter parce que à tel ou tel président, vous savez, quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, j'ai beaucoup côtoyé François Mitterrand. Ouais. Je l'ai accompagné dans la plupart de ses visites d'État. Il me demandait de l'accompagner dans les visites où il y avait, quand il allait voir une monarchie. Donc il m'a emmené au Japon, il m'a emmené à Luxembourg, le président m'a emmené en Angleterre, voir la reine. Enfin, c'était... Et il me dit, racontez-moi, parlez-moi, etc. Donc je me sens tout à fait bien avec les présidents et en me disant, je les ai tous connus. Avec les rois. Alors, il y a 2 ans, vous déclariez « J'ai une vie stable, mais pas très épanouie ». Je me souviens, vous l'avez dit ici. Vous disiez « Je vis seul avec mes teckels. J'ai des manques affectifs. Oui, ça rasate, oui. Et alors là... Un jour, mon prince viendra. Oh my God. On n'est pas obligé non plus de faire dans la romance. Lionel est revenu. Le pauvre, s'il avait seulement... Lionel est revenu. Après 16 ans de séparation, Lionel est revenu. Vous avez vu comment vous arrivez à broder. Bon, déjà, je vais être obligé de rétablir un certain nombre de vérités. Bon, il y a 16 ans, vous étiez libre, ni l'un ni l'autre. Voilà, on n'était pas libre. Donc il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, voilà, il y a 16 ans. Mais quand même, il y avait eu quelque chose. Oui, on se voyait régulièrement, on se trouvait agréable. Voilà, mais là, alors là, c'est... Ça se passe très bien. Ah bah oui, vous avez l'air beaucoup de l'amour. Oui, oui, je suis très heureux, je suis amoureux, et tant mieux. En même temps, je répugne, vous savez, à parler de ma vie privée. Alors en même temps, quand vous faites la une de match, après c'est difficile de dire je répugne à parler de ma vie privée. Brigitte Macron, elle ne fait pas la gueule quand il lui pique une couve de Paris Match. En tout cas, c'était une des meilleures ventes de l'été, ça me fait plaisir. 850 000 exemplaires. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que vous projetez votre compagnon comme ça, sous les feux de la rampe. Ça n'a pas l'air de lui déplaire, hein. Ça n'a pas l'air... Non, mais c'est pas son truc, quoi. Il était d'accord, quand même. Il était d'accord pour faire la série de photos. Moi, je vais vous dire, j'étais à Paros cet été, j'ai entendu le plus grand bien de lui. Oui, c'est vrai. On m'a dit qu'il est brillant. Stéphane est beaucoup mieux depuis Lionel, etc. Enfin bon, je vous la fais courte. Mais... Non, non, mais c'est... oui, non, mais c'est quelqu'un de formidable. Eh ben, moi, j'étais à Mykonos, j'ai entendu le plus grand mal de toi. Ben oui, parce que je n'y vais jamais. L'homme de ma vie, aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la battle des idées. You shut me down, baby. I get around, baby. Got a boost on, baby. My baby shut me down. You shut me down, baby. I get around, baby. Alors, c'est la journaliste et essayiste Elisabeth Lévy que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir. On ne peut plus rien dire, et si c'était vrai. À la grande époque de la télévision, il y avait d'un côté de l'écran ceux qui parlaient dans le poste, et de l'autre, ceux qui écoutaient. Tout ça, c'est fini. Avec Internet, le public a désormais les moyens de s'exprimer. Résultat, les réseaux sociaux sont devenus un tribunal populaire qui a vite fait de vous clouer au pilori. Paradoxalement, c'est la technologie moderne qui a permis de réhabiliter ce supplice datant du Moyen-Âge. Le pilori, c'était l'outil de torture utilisé pour attacher le condamné sur une place publique avec une pancarte indiquant son forfait pour lui faire honte. Du coup, tout le monde pouvait lui cracher dessus. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Harvey Weinstein. À Hollywood, tout le monde lui léchait le cul, mais maintenant qu'il est cloué au poteau avec la pancarte gros porc, tout le monde lui crache dessus. Aux États-Unis, on appelle ça le name and shame. Une forme de justice populaire qui consiste à détruire la réputation de quelqu'un en le dénonçant sur Internet. Alors évidemment, en France, la dénonciation, ça nous rappelle un peu les lettres anonymes envoyées à la commande en tour. Sauf que cette fois, il s'agit de dénoncer notre voisin pour la bonne cause. Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas dénoncer tous les gros porcs comme Harvey Weinstein? C'est le principe du hashtag Balance ton porc, inciter les femmes à balancer le nom d'un homme qui les a harcelés pour détruire sa réputation. C'est ça le progrès. Plus besoin de juges ni de tribunaux. Place à la justice 2.0. Désormais, la vindicte populaire peut s'abattre sur n'importe qui. Par exemple, au début du mois, c'est notre Baffie nationale qui a eu droit à un lynchage virtuel pour avoir soulevé de 2 cm la jupe de son ami Nolwenn Leroy. La liberté de parole sur les réseaux sociaux permet de harceler qui on veut. Résultat, certains artistes comme Biolay, Paul Naref ou Christophe Willem ont préféré se retirer de Twitter pour ne plus se faire insulter en permanence par des anonymes. Finalement, c'est à se demander si les réseaux sociaux sont vraiment un progrès pour la liberté d'expression. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Causeur et vous publiez aux éditions du Cerf Les Rien Pensants. Bienvenue parmi nous. Alors, les Rien Pensants, c'est qui? Oh, alors, vous voulez des noms, évidemment, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était plutôt une façon collective de ne pas penser. C'est-à-dire quand un certain nombre de choses, d'opinions, deviennent des évidences, quand on transforme en quelque sorte par une opération, par un tour de passe-passe, on transforme des opinions en évidence et de proche en proche, on n'a plus le droit de les contester, c'est-à-dire que donc il y a un partage du monde en quelque sorte, il y a des positions qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas, puis... après, il va y avoir des arrière-pensées qui seront inacceptables. Et finalement, il y a des questions qui sont inacceptables. Et je relisais pour préparer l'émission un article écrit par un des grands, je pense, un des grands parangons du politiquement correct, qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie, qui est sociologue, si je ne m'abuse. Et ils écrivaient très tranquillement dans Le Monde. Intellectuel de droite est un oxymore et c'est très bien, ça doit continuer comme ça. Ah oui, d'accord. Si vous voulez, vous n'êtes pas de gauche, vous ne donc vous n'êtes pas un intellectuel. Il faut parler du climat dans lequel on vit. Je précise évidemment que je suis contre la violence, le harcèlement, je suis contre les chefs qui font du chantage, voilà. Je suis contre tout ça. Mais je suis tout aussi contre la délation et je suis contre l'esprit de sérieux. Quand je vois que des adultes, dans un monde d'adultes, discutaient de savoir si Laurent Baffie a soulevé, pas soulevé, toucher, pas toucher, etc. Cette question ne devrait pas avoir cours. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 3-4 jours? Autour de moi, et je vais évidemment pas les citer, il y a des hommes adultes qui ont peur. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils ont peur, ils refusent d'aller à la télévision pour s'exprimer sur ces questions parce qu'ils ne veulent pas mentir. Ils ne veulent pas aller dans le sens général qui nous explique que toutes les femmes sont victimes. Et encore une fois, je répète, il y a des victimes, mais non, toutes les femmes ne sont pas victimes, parce que balance ton porc, ça veut dire que toute femme a un porc. Alors, moi, j'en ai pas, voilà. Mais quand des hommes adultes ont peur, si vous voulez, d'aller dire ce qu'ils pensent, c'est qu'on vit pas tout à fait dans un régime de pluralisme et de démocratie. C'est un totalitarisme soft. Moi, je me rappelle, on avait fait à Causeur l'appel des 343 salauds pour dire sur le mode humoristique qu'on voulait défendre la liberté de prostitution entre adultes consentants, c'est bon, j'ai rien oublié, et sans violence, etc., je le répète. Eh bien, je veux dire, on a reçu un déferlement de haine. Si on n'a pas le droit d'exprimer une opinion qui, effectivement, est contestable, ça n'est pas l'opinion de tout le monde, on est prêt à en débattre, sans se faire insulter, eh bien, il n'y a pas de débat démocratique, et donc il n'y a pas de démocratie. Voilà, alors, vous dites, né dans les universités américaines des années 70, le politiquement correct est devenu le code culturel des classes urbaines mondialisées avant de s'imposer à tous sous la forme d'une pensée obligatoire et pour finir d'une politique. Jérémy Ferrari, là, vous êtes pas du tout politiquement correct. Non. En ce qui concerne Balance ton porc, après, il faut pas tout mélanger parce qu'on entend délation, mais quand une victime parle de ce qu'elle a vécu et cite éventuellement un nom, c'est pas de la délation, c'est une victime qui dénonce ce qu'elle a... Comment vous savez qu'elle est une victime? Ben, arrêtez de crier tout le temps. Mais pas comment vous savez qu'elle est une victime. Arrêtez de crier tout le temps. Excusez-moi, mais vous pouvez rigoler, mais là, c'est grave. Parce qu'il suffit donc que quelqu'un aille dire « je suis victime ». Bah non, c'est un nom. sans preuve, il y a de la justice aussi, ça s'appelle de la diffamation. Donc il faut faire la différence entre une victime qui dénonce son agresseur, c'est pas de la délation, ça. Ça s'appelle pas de la délation. Merci. Donc voilà. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, je pense qu'il y a du bien et du moins bien, mais quand on parle de Twitter, moi ça me fait un peu rire, parce que faut quand même rappeler le concept de Twitter. Ça ne concerne que la personne et son compte. C'est j'ouvre un compte, j'essaie d'avoir un maximum de mecs pour avoir leur avis, et quand ces mecs disent des trucs qui me plaisent pas, j'estime que Twitter, c'est de la merde. Mais c'est pas, tu vois, c'est le truc. C'est, si tu te mets en avant, accepte le truc, ou alors arrête Twitter. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de paranoïa quand même quelque part là. Mais tu as tout à fait raison, David. On parle de réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont là pour finalement échanger. C'est une sorte de voyeurisme. Moi, en fait, ce qui me dérange dans tout ça, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne m'en occupe pas. Donc, je garde une distance par rapport à ça et je ne m'en porte que mieux. Et je parle de cette paranoïa parce qu'aujourd'hui, vu la tournure des choses, j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans une ère où finalement, on va se poser des questions sur celui qui est assis à côté de soi. Alors qu'on devrait se tendre la main, ouais. On devrait se tendre la... Non, non, mais c'est... Non, mais tu sais, c'est très important. On devrait se tendre la main aujourd'hui. Et finalement, avec ces histoires de réseaux sociaux, on est en train de prendre des distances encore plus importantes. Là, on ne parle pas de justice, on parle juste d'éthique, on parle juste de respect de l'autre. On parle de choses qui sont juste des choses très simples. Et je pense qu'un retour à la simplicité des choses serait vu d'un très bon œil aujourd'hui. Il y a une chose que je ne voudrais quand même pas laisser passer sans la relever. Moi, je suis désolée. Quand vous me dites quand une victime, vous ne savez pas si une femme est une victime ou pas, il y a aussi des menteuses, ça existe. Je suis désolée de vous le dire. Et j'espère que vous n'aurez pas à faire un jour... Attendez, quand est-ce que j'ai dit ça ? Vous me dites quand une victime donne le nom de son agresseur, vous dites c'est pas de la délation. Si vous n'allez pas le donner à la police dans des conditions qui soient acceptables, si vous balancez comme ça, je veux dire, sans la moindre règle, sans le moindre filtre, c'est de la délation, enfin. Vous savez pas, peut-être elle l'a fait, qu'est-ce que vous en savez? C'est peut-être le côté pervers des choses, parce que c'est vrai que dans ce lot de personnes qui vont être touchées par ça, il y a des choses qui vont venir se greffer, des gens qui vont venir se greffer avec d'autres intentions. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, avec l'histoire de Tiger Woods, une prostituée qui a vendu aux journaux sa relation alors qu'il était marié. Derrière, il y en a eu 30 qui sont venus derrière parce qu'elles se sont dit, il y a de l'argent à se faire. Elisabeth? Il y a 2 jours... Bruno Le Maire est interrogé par Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy lui dit « Vous connaissez des politiques harceleurs ?» Il dit non. Il dit « Si vous connaissiez des politiques harceleurs, est-ce que vous les dénonceriez ?» Bruno Le Maire dit non, la dénonciation, la délation ne fait pas partie de mon identité politique. Donc l'autre insiste, Bruno Le Maire insiste et dit « La délation ne fait pas et ne fera jamais partie de mon identité politique. » Ça s'est donc fini à 8h30. 2 heures plus tard, je vous recommande d'aller voir cette scène terrifiante. Je veux dire, d'un adulte qui a un air de petit garçon pris en faute avec les magazines porno de son père et qui vient dire les pieds en dedans je me suis exprimé tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai mal parlé. Excusez-moi, Marx disait que l'histoire vient une fois comme tragédie, une fois comme farce. Là, on a quand même affaire à un communisme qui revient comme farce. Laurent Baffie. Alors, comme le disait mon ami, il y a évidemment des effets pervers. Moi, personnellement, malgré l'image que je peux donner à travers toutes mes vannes de cul que je fais depuis des décennies, je trouve formidable que la parole se libère et que beaucoup de femmes ne soient plus victimes et qu'il n'y ait plus d'impunité avec des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Et ça peut même briser des vies. Cela dit, les effets pervers... On va les avoir, des gens accusés à tort, on va avoir des suicides, après ça devient tout et n'importe quoi. On va régler ses comptes. Jérémy. Ouais, je vais juste rebondir là-dessus, parce que l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, David, est intéressant, parce qu'en fait, vous avez donné un exemple qui ne correspond pas aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un a pu détruire la vie et générer une envie de 30... victime ou pas, en tout cas 30 personnes de se manifester, et elle ne l'a pas fait par les réseaux sociaux. On peut détruire et accuser quelqu'un par la presse. Oui. On peut porter plainte contre quelqu'un anonymement et détruire sa vie de famille. Oui. Donc ce que je veux dire par là... C'est pas propre aux réseaux sociaux. Ce n'est pas propre aux réseaux sociaux. Moi, par exemple, sur mon Facebook privé, avec des amis, etc., j'ai vu, je pense, une quinzaine de témoignages d'amis à moi, dont j'étais absolument pas au courant qu'elles avaient subi des violences. Je n'ai jamais vu un seul nom. Je n'ai vu que des témoignages de femmes qui ont envie de se libérer par ce réseau-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours tout critiquer, on peut toujours essayer de voir le mal dans tout, mais toujours est-il que ce mouvement est un mouvement populaire, sain, de femmes qui décident de prendre la parole, et je vais juste terminer, qui décident de prendre la parole et qui peuvent faire du bien. Ces témoignages peuvent faire du bien à d'autres témoignages, à d'autres gens qui ont envie d'entendre ça. Estelle, est-ce que vous allez dénoncer les gens? Tiens, je te donne ça, t'en as besoin. Balance ton porc. Non, non, j'en ai pas besoin. Tu pourrais balancer. Allez, hop, elle balance ton porc. J'ai eu la chance de ne pas avoir quelqu'un qui a été plus loin, qui n'a pas dépassé la limite, et donc voilà, je... Quand même, Stéphane, moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Stéphane. J'ai jamais été harcelé, ça je... Oh Stéphane, vous connaissez quand même si vous n'avez pas été harcelé, vous connaissez quand même le lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est là où je suis assez d'accord avec Jérémy, on n'est pas obligé d'y aller. On peut s'en abstraire. C'est vrai que maintenant, ce qui est compliqué, c'est que dès que vous faites un tweet, par exemple, vous rendez hommage à une personnalité qui vient de disparaître, c'était le cas de Daniel Darieux, mais il y a d'autres, immédiatement, c'est repris par... Ça fait le buzz médiatique et ça alimente, au fond, c'est au nombre de clics, maintenant. Il faut se dire, les journaux, même les plus sérieux, vivent une période difficile, ont du mal à vendre du papier. Donc j'ai demandé à un rappeur blanc ce que ça fait d'être blanc quand on est dans le rap. J'ai été traité de raciste. Donc voilà où on en est, quand même. Oui. C'est-à-dire, c'est dingue. Ici la voix. Ah. Je ne vois pas d'où vous sortez cette idée qu'on ne peut plus rien dire. Au contraire, on peut dire absolument tout ce qu'on veut. D'ailleurs, je viens de le faire. Alors Stéphane, vous n'avez aucun avis sur Balance ton porc, vous? Non, je me mets à la place de toutes ces femmes qui ont vécu des choses épouvantables et qu'on ne sait pas à qui le dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas... Donc voilà, la parole se libère. Maintenant, il y a des excès, il va falloir faire une nouvelle loi pour réglementer les excès. Ça, voilà, mais je me mets simplement à la place de ces femmes. C'est marrant quand même, la parole libérée, parce que je me rappelle, il y a quelques années, c'était le grand truc, tout le monde disait « c'est affreux, la parole se libère » parce que des gens ont décidé de parler frontalement des questions d'islam, d'immigration, des problèmes que ça peut poser. Et on disait « c'est affreux, la parole se libère ». Alors la parole se libère, c'est bien quand elle vous convient, en fait, mais sinon, la parole libérée, il y a des fois où c'est vraiment criminel. Hein. Jérémy, qu'est-ce que vous dites sur scène que vous ne pourriez pas dire sur ce plateau, par exemple? Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Après, il y a juste que sur scène, on a le temps. Donc, du coup, forcément, quand tu es sur scène, tu peux, t'as le début du spectacle, le milieu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as le temps de développer ton idée. Et c'est plus libre. C'est plus libre. Non, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne considère pas que la scène soit plus libre que la télévision. Moi, je me bats vraiment contre ça parce que si on est en télévision en disant « je suis pas libre », ben alors faut pas être en télévision, c'est ta faute. C'est ce qui se passe en ce moment. Ben dans ce cas-là, mais quoi en fait? Des exemples, parce que ces phrases-là, je les entends tout le temps. Tu vois, j'entends tout le temps des humoristes dire « je suis censuré », mais t'es censuré? Non. Si t'es censuré que t'es là, c'est ta faute. Non, je pense pas que ce soit de ma faute. Je pense qu'on atteint les limites du genre, que la période n'est plus à ça, que depuis des années maintenant on vit avec des gens qu'on a admirés qui se sont fait assassiner par des terroristes, comme les grands dessinateurs. Je pense qu'on vit la fin d'une époque. Moi, je vais avoir 60 balais, je suis pas à plaindre, mais pour des types comme Tom Villa qui arrivent, ils arrivent dans une période qui est beaucoup moins libre. Mais parle-moi à moi, je suis devant toi. Moi, je te dis non. Oui, mais j'entends ton avis. J'entends ton avis, mais je ne suis pas... J'ai jamais été censuré sur France Télévisions. Quand j'étais chez Ruquier, j'ai fait des sketchs sur tous les thèmes. J'ai jamais été censuré. Jérémy, j'entends ton avis, mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'est pas plus libre sur scène. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus libre sur scène et que c'est un des derniers espaces de liberté. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense juste que quand tu es à la télévision, il faut le faire différemment parce que tu as moins de temps et qu'il faut le faire différemment. Mais je pense que tu peux dire la même chose. Je voudrais poser une question, moi, juste à Jérémy. Est-ce que tu penses réellement qu'aujourd'hui, des jeunes humoristes comme toi ont plus de facilité à exprimer des idées et à parler de tout et de tout le monde de la même manière que pouvait le faire un Coluche ou un Thierry Le Luron dans les années 80? J'en sais rien, j'étais pas là-bas. Non, mais tu as vu ou entendu. Mais j'ai vu ou entendu, mais non, mais j'en sais rien. Alors, mais non, mais je peux vous répondre. Par exemple, Coluche a été interdit d'antenne sur Europe 1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai refusé plein de postes à la télévision, à la radio. J'ai refusé, par exemple, que mon film sorte parce qu'il avait été réécrit et j'ai préféré aller en justice plutôt qu'il sorte, ce film. Alors que j'ai plein d'amis à moi qui m'ont dit, bah moi on l'a réécrit. La tête de l'emploi, en plus, ils t'ont proposé plein de thunes pour que tu laisses sortir. J'ai refusé. Europe 1 m'a proposé un poste en quotidien qui était très très bien payé. J'ai refusé parce qu'ils voulaient relire les textes. Il y a quelques animateurs qui laissent la liberté, comme Thierry, comme Laurent. Voilà, il y a encore des gens, il y a des espaces de liberté, il faut aller les saisir. Mon spectacle, par exemple, parce qu'on parlait de la scène tout à l'heure, mon spectacle est quand même vraiment, je crois qu'il il y va quand même. Eh ben, C8 l'a acheté, et il y a une clause dans le contrat comme quoi ils n'ont pas le droit de couper le spectacle. Et s'ils le coupent, eh bien, ils ne le diffusent pas. Très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Oui, vraiment, ça, on a compris. Ça veut dire que quand tu as assujetti à une vigilance. Il dit quand tu as des couilles, tu peux dire ce que tu veux. Elisabeth. Ah oui. Excusez-moi de ne pas considérer que la simple présence de Jérémy Ferrari n'est pas assez. Très bien. Je sors du cadre de. J'essaye de parler de l'humour en général. Moi, j'écoute France Inter et après tout, France Inter, c'est une radio publique. Sur France Inter, les humoristes sont devenus les chiens de garde de la pensée unique. C'est-à-dire, ils rient tous en chœur des mêmes choses contre les mêmes personnes. C'est eux qui sont les puissants. Ils croient être les bouffons, si vous voulez, et ils ne prennent jamais l'ombre d'un risque. Ils pensent tous pareil, mais tous. Et je tape sur la manif pour tous un jour, et je tape sur la droite le lendemain, et ça ronronne. Mais... Et le troisième jour, je dis à quel point c'est mal de voter Front National comme c'est rebelle et courageux, si vous voulez. Mais personne n'en a jamais marre de cette espèce de ronron tiède. Il n'y a pas qu'une sensibilité chez les humoristes. Non, mais chez France Inter, oui. Non, elle a raison. Et ça a un intérêt parce que France Inter, c'est notre radio à tous. Oui. Et moi, je n'aimerais pas que ce soit Radio Réac, j'aimerais simplement qu'il y ait du pluralisme. Parce qu'il me semble que la consanguinité, si vous voulez, intellectuelle, c'est-à-dire des gens nous parlent de diversité tout la journée, ils ne supportent pas, ils ne parlent jamais à des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est ça le problème, en fait. Et parce qu'on veut éviter le débat. Montaigne disait qu'il faut frotter sa cervelle contre celle d'autrui, ça va, c'est bon. Eh bien, je pense qu'on devrait le faire. Je pense qu'on devrait le faire. Il faut balancer Montaigne. On peut pleurer. Un peu plus souvent, voilà. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas... Didier Bourdon, on ne peut plus rien dire. Et alors, Elisabeth Lévy, vous retrouvez son magazine Causeur, qui, voilà, qui est un truc très intéressant, parce qu'au moins, elle ne pense pas comme les autres, elle remet tout en cause, et moi, j'aime beaucoup. C'est pluraliste. Ouais, c'est pluraliste. Elisabeth, merci d'avoir été avec nous. Le bouquin s'appelle « Les Rien Pensants », c'est aux éditions du Cerf. Voilà, c'était la BDGT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Stéphane Bern, de David Ginola, de Jérémy Ferrari, d'Estelle Lefébure et de Laurent Baffie. Ouais. Et maintenant on passe à notre thé au top de la semaine. David Ginola, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Après avoir enflammé tous les stades de foot d'Europe, David Ginola, alias El Magnifico, est aujourd'hui le nouvel animateur vedette de M6. David Ginola, mesdames, messieurs. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. David Ginola, donc. J'ai une anecdote sur cette photo parce qu'elle a été faite par Mario Testino. Ouais, qui est pas... À une époque où posait nu, c'était pour le magazine Glamour dans les années 90. Et il a fait une exposition à Londres, dans un musée. Et je me suis retrouvé entre la princesse de Galles et Madonna. J'étais le seul qui était nu sur les photos, donc c'était... C'est magnifique. Alors, El Magnifico, c'est bien, mais ça a bien failli être El Cardiaco. El Cardiaco. Celle-là, moi, on ne l'avait pas faite. Je te l'ai fait, moi. Vous nous avez raconté l'année dernière, le jour où vous étiez mort. Ouais, 9 minutes. Voilà. Victime d'un arrêt cardiaque. alors que vous disputiez un match de foot avec des potes à Mandelieu-la-Napoule. À Cannes, allez, à Cannes. Oui, c'est dans la banlieue de Cannes. Cannes et à Cannes, c'est con. Hein. Ouais. M. Pokora vous a sans doute sauvé la vie en vous faisant un massage cardiaque. Et vous êtes obligé d'aimer les chansons de M. Pokora? Non, non, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu deux personnes qui se sont relayées pour me faire un massage cardiaque. C'est Frédéric Mendy et Pierrick Borgia. Et quand les ambulanciers sont arrivés, qui m'ont fait utiliser le défibrillateur pour me choquer, au bout de 5 fois, mon cœur est reparti. Donc 5 fois quand même. Hein. Mais en fait, la véritable histoire, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. D'accord. Parce que même si le chirurgien aurait... Donc M. Pokora est un imposteur en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a voulu tisser une histoire autour de cet événement. Avec justement le niveau de personnalité des gens. Ah oui. Et on s'est dit que finalement, mettre Matt Pokora, la personne qui sauvait David Ginola, c'était quelque chose qui pouvait faire la une des journaux. Mais il a bien retué. J'aime beaucoup le garçon. Et lui aussi a souffert quelque peu aussi de ça. Parce qu'aujourd'hui, répondre à des gens qui viennent nous dire « Oh bravo pour ce que vous avez fait », en sachant que finalement, vous n'avez pas participé réellement. C'est le faux héros. C'est quand même... Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, je crois qu'on peut le dire aux téléspectateurs, vous avez vu une grande lumière blanche. Vous êtes arrivé devant un vieux monsieur barbu qui vous a demandé si c'était bien vous, le Ginola, qui avait privé la France de la Coupe du Monde en 94. Bien, Thierry, bravo. Et le vieux monsieur barbu vous a laissé repartir sur Terre. Oui. Parce qu'il savait que c'était pas de votre faute. Voilà, laissez-moi terminer. Merci, Thierry. Merci. Mais je le sais. Le vieux monsieur barbu, que je salue, on ne sait jamais. J'aurais peut-être besoin de lui dans quelques temps. Alors, quadruple pontage, donc, vous avez une cicatrice énorme, et vous la montrez aux filles en disant que vous avez fait la guerre du Vietnam. Ça, c'est un peu gros. Là. Ça, je l'avoue. Voilà. Concernant votre accident cardiaque, je répète pour la 1000e fois, faites-vous contrôler. C'est-à-dire, vous pensiez que vous étiez en très bonne santé, sauf que malheureusement, vous aviez des artères bouchées, j'imagine. Donc, faites-vous contrôler le plus souvent possible. C'est 8 millions de morts par an. C'est la deuxième cause de mortalité dans le monde après le cancer. Et qu'aujourd'hui, il suffirait de très peu pour changer ça, apprendre les gestes qui sauvent. Voilà. Ça prend 1 à 2 heures à la protection civile, à la Croix-Rouge ou chez les pompiers. Ben oui. Et vous pouvez sauver, vous pouvez devenir un héros. Celui qui m'a prodigué le massage cardiaque pendant 9 minutes, je l'ai appelé quelques semaines après pour le remercier, en sachant que le remerciement, en fait, je ne trouvais pas les mots, parce que cet homme-là m'a sauvé la vie. Dire merci à quelqu'un qui vous sauve la vie, c'est la moindre des choses, hein, connard. C'est pas suffisamment. C'est pas suffisant, c'est pas assez important. C'est un minimum. Hein. Sauf qu'il m'a dit une chose, il m'a dit, quand je suis rentré à la maison, mon petit garçon m'a regardé et il m'a dit, papa, tu es un héros. Ben voilà. Alors vous rejouez au foot? Non. Ben si, avec des aveugles en même temps, c'est pas dur. On regarde. Oh oui. Signale-toi, David. Hein. David, si tu veux. Si tu veux. Ouais. Il est le but. Allez David, elle est droit devant toi. Il est où le but? Il est où le but? Allez, tire, frappe, frappe, frappe. Ah, dommage. Allez, ouais, joli. Voilà. Donc ça s'appelle le cécifoot. C'est du foot pour les non-voyants, voilà. Et quand David a joué contre l'équipe de cécifoot, il avait l'impression de jouer contre l'OM. Alors, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus zen, hein, depuis cette histoire. Vous dites avant, je voulais que tout le monde m'aime. Aujourd'hui, je m'en fous. Complet. Complet. Ici la voix. David Ginola, on s'en fout que vous vous en foutiez. On vous aime quand même. Finalement, c'est peut-être pour ça. Ouais. On est toujours dans cette quête de l'amour constante d'être aimé par un très grand nombre de personnes. Et que finalement, la maturité, l'expérience de la vie vous apprend une chose, c'est que finalement, la terre entière ne pourra pas vous aimer. Et que d'une certaine manière, il faut se contenter de ce qu'on a. Et de... Quoi, deux? Bah, quand on dit un, il y a un deux, pardon, hein, d'être un peu technique. Hein. Oui, ben, le 2, c'est que la vie n'en est que plus belle. Bah, dis le 2, mon vieux. Alors aujourd'hui, vous iriez boire un verre avec Gérard Houllier, qui vous avait descendu en 94, mais vous dites quand même, j'irai boire un verre avec lui, mais bon, le verre, il termine pas forcément dans la gorge. Non, alors là, pour parler de ça, parce que je peux en parler vraiment avec une certaine sérénité, je ne vais plus m'encombrer d'aller avec des gens, je ne vais plus m'encombrer d'aller passer du temps avec des gens qui, ou ne le méritent pas, ou que je n'aime pas. C'est-à-dire que le temps qui passe... Je veux le passer avec des gens qui, à mes yeux, sont des gens importants. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Non, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3. Alors, s'il n'y a pas de 2, arrête de dire 1. Oh, ça suffit maintenant, hein. Moi, ça me cassait les couilles avec tes maths, là. Voilà. Alors, aujourd'hui, non mais c'est vrai, vous passez des heures à admirer la montagne de la Sainte-Victoire, par exemple, ce que vous n'auriez jamais fait avant. Vous êtes devenu plus contemplatif. Je l'ai toujours été. Voilà. Je peux passer des heures à regarder la mer. Je peux passer des heures à regarder la montagne. Voilà. Et moi, je l'ai toujours été contemplatif. J'ai toujours eu cet amour des choses, des objets. Et puis, il y a la télé. Vous voilà animateur de télé. Alors, la France a un incroyable talent. J'imagine que vous n'avez aucun commentaire à faire sur l'affaire Roson. Non, on va laisser la justice travailler. J'ai appris la nouvelle. La chaîne a décidé de suspendre l'émission pour des raisons d'éthique. Et je crois que, voilà, c'est moi, j'en sais pas plus. Laissez faire la justice. C'est très courageux de la part de M6, alors que 5 prime time étaient tournés, de les mettre à la poubelle. Je trouve que c'est assez bien de la part d'M6. Oui, puis comme je viens de dire, moi, j'en sais pas suffisamment pour faire déjà des commentaires. Et deuxièmement, je pense que la justice va faire son travail et on en saura plus. Alors, bon, il y a la France en incroyable talent, mais il y a aussi les shows musicaux. Vous êtes devenu quand même le pro. Ce sont des choses que je ne pensais pas du tout être capable de faire. Voilà, donc j'ai un arc avec beaucoup de cordes. Et... Vous vous êtes prouvé à vous-même, vous étiez capable de le faire et ça marche très bien. Non, j'ai surtout prouvé à beaucoup de gens, surtout chez M6. Ouais, que ils sont ravis. Hein. Me faire ils sont ravis chez M6. Et chez Carson Productions. Alors, il y a un truc. C'est les 40 ans du Puy du Fou. Alors là, un truc de malade. Vous vous êtes déguisé en gladiateur pour ça. C'est une sacrée expérience. Ouais. Je tiens à le dire. J'ai découvert un endroit extraordinaire que je ne connaissais pas du tout. Philippe de Villiers, quand il a bâti cet empire, parce qu'aujourd'hui c'est un empire il y a 40 ans, ne pensait pas, avec son petit spectacle, arriver à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont réussi à baisser le taux de chômage dans le pays incroyablement, justement parce qu'ils n'employaient au départ que des Vendéens. Ouais. Et arriver là-bas et voir la qualité des spectacles, mais j'insiste là-dessus, sur les chorégraphies. J'ai appris ma chorégraphie de 2 minutes 30 en gladiateur, où je joue le rôle de Maximus, et on est 4 gladiateurs, on se bat devant 5 000 à 6 000 personnes, puisque c'était dans une sorte de mini-colyséum. Ouais, c'était... il y a des lions, il y a des... C'est magnifique. On va regarder à quoi ça ressemble. Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, David Ginola, Jérôme Anthony, Julia Vignali, 5 animateurs d'M6 vont découvrir d'une façon totalement inédite la vie des professionnels qui font chaque jour le spectacle au Puy du Fou. Ah, je vais faire ça? Oui. Wow. Ah, ils vont avoir 48 heures pour s'entraîner et prendre leur place. Je veux que tu deviennes un gladiateur. Ah, là, ils vont devoir se surpasser. Bon là, il ne faut absolument pas regarder l'oiseau. Oh, putain! C'est vraiment très très haut, je sais pas comment vous faites. J'ai peur de faire tout foirer. On va le faire. Je sais pas comment, mais on va le faire. C'est du sport. Et ils vont vivre une aventure humaine unique. Ce soir, les animateurs font le spectacle. Le mental, putain, le mental! Oh. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout donné. Wow, c'est qui me tue? Et voilà, bravo en tout cas. Et maintenant, on passe à notre interview. T'étais où de la semaine ? Estelle Lefébure, bonsoir. Alors, vous êtes la plus célèbre top modèle française, la mère des petits-enfants de notre gloire nationale, Johnny Hallyday, l'ex-femme de l'animateur et businessman Arthur, l'égérie Mixa et la plus belle pub du monde pour la Normandie. Merci. Alors, Estelle, vous êtes née le 11 mai 1966 à Toth, entre Rouen et Dieppe, père directeur d'une boulonnerie et mère coiffeuse. Vous avez une enfance assez normale, faites des études de comptabilité. Pour gagner un peu de blé, vous vendez des fripes sur les marchés. Ouais. Et là, tout le monde connaît l'histoire. Le destin frappe. À 17 ans, à Paris, un agent vous dit dans la rue, vous êtes la plus belle fille du monde. En fait, il ne dit pas ça. Il ne dit pas vous êtes la plus belle fille du monde. Il avait peur, déjà, de se faire balancer. Non. Il dit, je vais vous prendre dans mon agence, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Boulevard Sébastopol. Exactement. Voilà. En fait, il m'a rencontrée, j'avais 17 ans, parce que j'étais de passage à Paris. Et je suis revenue à Rouen, où j'habitais avec ma maman. Et ma mère m'a dit, non, c'est pas possible, tu feras pas ça tout de suite. Voilà. T'attendras d'avoir ton bac, puis après, on verra. Et voilà. Et en fait, je suis retournée à l'âge de 19 ans, en effet, à Paris, où là, je faisais des études. Et j'ai revu la même personne au même endroit. Redestin. C'est vrai. Et voilà, alors quelques mois plus tard, vous faites la une de Elle. Oui. Mais ça n'a pas mis longtemps. Hein. La même année, en effet. C'est dingue. Et il y en aura beaucoup d'autres. On regarde. Vous avez le record des unes de Elle, c'est oui. Incroyable. Alors là, vous travaillez évidemment avec Patrick de Marchevier, Irving Penn, Bill King, Herb Ritts. Vous devenez top modèle. À l'époque, top modèle, ça voulait dire quelque chose. Il y avait Claudia Schiffer, il y avait Cindy Crawford, il y avait Linda Evangelista, Naomi Campbell. Et vous êtes dans le clip de George Michael. Forcément. Mais forcément, on regarde. You're just too funky. You're never gonna have another love, baby. You're just too funky for me. Et voilà, Estelle Lefébure. Ça s'est passé comment le tournage du clip? Ça devait être quelque chose quand même. C'est assez émouvant de revoir ces images. Ouais. Oh, ça a été un tournage formidable, très dur. Parce qu'en fait, ça a duré 48 heures non-stop. Et il y avait un peu quelques frictions entre Thierry Mugler et George Michael. Ouais. Du coup, ça a été un peu compliqué pour nous, mais un souvenir incroyable. Et là, vous en avez marre d'être belle. À ce moment-là, vous décidez, Estelle, de devenir moche. Je vous attends déjà, beau blondinet. Auguste imberbe, bien entendu, si tu es brun avec une énorme personnalité, ça m'intéresse aussi. Bravo! C'est bien, hein? Rigolote! Alors Estelle, vous publiez chez Flammarion votre 4e livre. Le premier, c'était en 1997, il y a 20 ans. Ça s'appelle « Orahe, le bien-être pour les enfants ». Vous donnez donc des conseils par âge sur la santé, le yoga, la méditation, des recettes évidemment de bonne nutrition. Alors du yoga pour les enfants, moi déjà j'avais du mal à leur faire ranger leur chambre. Donc, Arriver à leur faire faire du yoga, bravo. Hein. Non, non, je vous assure, ah bon, ça détend, c'est très bien. Les enfants adorent ça. Mon fils de 7 ans sort le tapis du yoga et il les aime. Alors, vous dites, il faut dire aux enfants qu'on les aime. C'est un des grands conseils que vous donnez dans votre livre. Mais si on les aime pas... Ça, c'est déjà un gros problème. Ben oui. Vous dites, il faut s'intéresser à eux. S'ils ne sont pas intéressants. Ben oui. Moi, mes enfants, ils ne m'ont pas intéressé tout de suite. Hein. Maintenant, oui. Ah. Vous êtes devenu un petit peu gourou du bien-être, non? Un petit peu, il paraît. Ouais. Le premier livre, c'était moyen. Ouais. Et puis, comme ça a quand même marché, le deuxième, là, ça y est, on s'est dit, ah, quand même, oui, elle raconte pas des bêtises. Ça marche beaucoup, oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que Johnny Hallyday s'est converti au bio-bobo? Ah, ah. Non, vous savez pas. Il se nourrit très bien. Il se nourrit très bien. Enfin, en tous les cas, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait l'air d'aller bien. On regarde. Happy birthday to Léonard. Happy birthday to you. Bon anniversaire. Alors, vos filles, Ilona et Emma, se lancent dans la carrière. Oui. Très belles, très jolies. Ce sont les filles d'Estelle Lefébure et de David Hallyday, mais aussi les petites filles de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Alors, c'est pas un arbre généalogique, c'est voici, là. Pour le coup. Non, c'est juste leur famille. Voilà. Tout simplement. Dingue, hein. Et elles ont été élevées comme toutes les autres petites filles. Voilà, sauf qu'elles ont des grands-parents connus, des parents connus, et voilà. Quand vous faites des réunions de famille, c'est Michel Drucker qui les anime? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez remarqué que je ne vous parle pas de vos Jules, hein? Mais vous pouvez, non, 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 je suis pas comme ça, non, non, c'est pas mon... Non, non, j'aime pas les émissions où on dit aux gens comment ça va. Non, moi, c'est pas mon truc. Ah, comment moi, ça va, bien. Mais ça va très bien. On ne prendra jamais en défaut là-dessus. Non, jamais, mais, là, c'est sûr. Mais ça va très, très bien. Là, vous êtes heureuse. Ici, la voix. Oui. Est-ce qu'on peut reparler un peu de Chateaubriand, s'il vous plaît? Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdu que nous... Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve après la pub avec Lionel et Jérémy Ferrari. A tout de suite. Bonsoir, les terriens du samedi, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Stéphane Bern, de Jérémy Ferrari, de David Ginola, d'Estelle Lefébure et de Laurent Baffie. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Encore voilà, balance ton porc. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et on va commencer par la politique française. Évidemment, dimanche dernier, l'entretien du président sur TF1. Une heure d'interview en télé, ce qui pour Christophe Castaner s'avère être encore plus excitant qu'une après-midi complète sur YouPorn. Plus de 9,5 millions de Français ont suivi l'interview. Un record, pour vous situer, c'est à peu près l'audience des Enfoirés, alors qu'ici, il était seul. Et... pour vous dire à quel point on l'a écouté, on l'a décrypté. On a porté beaucoup d'attention à la décoration du bureau de l'Élysée, les tableaux d'artistes, la fusée Ariane. Et le plus étonnant, eh bien, c'est ces trois statues de cire qu'on avait mis juste en face du président et à qui il s'adressait. Alors, on aura été vigilant, évidemment, à son langage croquignolesque, truchement, je vous fiche mon billet. Macron, c'est le cerveau d'une vieille personne dans un corps de jeune. C'est une sorte d'Ariel Dombal de la politique. Gouvernement toujours. Marlène Schiappa annonce un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Grosse annonce. C'est sans doute la première loi du mandat qui présenterait un côté négatif pour les riches patrons. C'est peut-être sa solution pour remplacer l'ISF par l'ISH, l'impôt sur le sexisme et le harcèlement, avec le risque évident que cela favorise l'évasion fiscale en Thaïlande. Alors, en tout cas, je tiens à rappeler cette espèce de légende, mais peut-être bien que c'est vrai, que la masturbation rend sourd. Alors, les agresseurs ont intérêt à s'y mettre très sérieusement, parce que là, les filles, elles parlent. Dans la même série, Emmanuel Macron confirme avoir engagé des démarches pour faire retirer la Légion d'honneur à Harvey Weinstein. Alors apparemment, d'après le témoignage de certaines actrices qu'il a croisées, il ne la portait pas très souvent, cette Légion. Quant à Weinstein lui-même, il s'est dit plutôt soulagé de ne plus partager une récompense avec Ali Bongo, Serge Dassault et Didier Barbelivien. Et pour clore complètement ce sujet, c'était important d'avoir l'avis d'Éric Zemmour. Et c'est Europe 1 qui s'est sacrifié pour le recueillir. Zemmour estime que le hashtag « Balance ton porc » aurait été, durant la Seconde Guerre mondiale, « hashtag Balance ton juif ». Non, bah non. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'équivalent du hashtag « Balance ton porc » aurait été « Balance ton collabo ». Voilà, et c'est peut-être ça qui pose un problème à Éric Zemmour. Passons à droite. Restons à droite. Dans une interview qu'il a donnée à Paris Match, on apprend que Laurent Wauquiez a un cheval nommé Assad. Ce qui serait vraiment marrant, c'est que Bachar el-Assad ait une fouine nommée Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a connu comme une petite semaine de merde car Jean-François Copé veut une place auprès de Laurent Wauquiez. Alors là je dis arrêtez tout, stop, c'est plié avec cet apport formidable de 0,3% de voix de droite. Là mon Lolo il est sur l'autoroute de la Win. Et Jean-François Copé, il se vend à n'importe qui. Jeff, il aurait appelé Weinstein lui-même pour monter dans sa chambre. Politique toujours. Perquisition des bureaux du Modem. Ah, apparemment, les policiers seraient repartis avec la liste complète des adhérents à l'heure qu'il est. Le post-it serait sous scellé. Et François Hollande, évidemment, était en déplacement en Corée. François Hollande a tenu une conférence durant laquelle il a expliqué, entre autres, qu'il voulait défendre le travail face à ceux qui s'enrichissent en dormant. Et putain, mais ça fait tellement plaisir d'entendre un truc pareil. Et c'est vraiment con que ce gars-là ait jamais été président, parce que ça aurait pu vraiment... Société. La CGT... condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réaction du MEDEF, lol. People. Popularité quand Jack Lang demande à réintégrer des sondages. Alors on l'a appris cette semaine, l'ex-ministre de la Culture écrit régulièrement à l'IFOP et à Paris Match pour réintégrer le baromètre de l'opinion. Alors c'est vrai qu'à son âge, les rares fois où on le sonde encore, c'est pour son dépistage de la prostate, mais... Stéphane, vous qui vous occupez du patrimoine en péril, faut l'appeler plus souvent, Jack. Eh ben ouais, c'est votre boulot. Mais il le fait lui-même. C'est vrai. Carla Bruni a déclaré cette semaine « Je n'aurais jamais imaginé chanter sans écrire ». Eh bien, ça n'a pas raté, puisque visiblement, elle a pris la décision d'écrire sans vraiment chanter. Et les brèves. Dans le Var, un chômeur gagne 6 millions d'euros en jouant le numéro de téléphone de son agent intérim. C'est énorme, c'est énorme, c'est marrant. Et là, je dis, Thierry, vous la voyez demain, proposez à Raquel Garrido de jouer son numéro de l'URSSAF et ça va peut-être lui régler quelques problèmes. Et la toute dernière, elle va plaire à Jérémy Ferrari. Un agent du renseignement français envoie par erreur un SMS à un islamiste qu'il avait mis sur écoute. Et là, je me dis, si ce gars-là nous écoute, mec, ne trompe jamais ta gonzesse, t'as pas le niveau. Et encore, il aurait pu avoir pire, il aurait pu lui envoyer un snap, et ça aurait donné ceci, et ça aurait été, voilà, beaucoup de gêne. Et je termine, Thierry, comme chaque semaine, par la culture et l'artiste de la semaine. Je fais souvent dans le plus récent que vous, Stéphane, je prends des artistes contemporains. Et cette semaine, Piotr Pawlenski, il est dans l'actu parce que, voilà, dans le cadre d'une de ses performances, il a mis le feu à la façade de la Banque de France. Alors, ce qui fait passer Serge Gainsbourg et son billet de 500 francs pour une petite bite. Et l'occasion d'un retour sur l'entièreté de la carrière et des performances de Piotr. Alors, au départ, Piotr Pawlenski, il s'engage en Russie pour dénoncer, évidemment, la politique de Poutine. On peut donc dire que sa plus grande performance à l'heure actuelle, c'est d'être toujours vivant. Parce que oui, en Russie, évidemment, il y a les artistes qui dénoncent le gouvernement russe, et puis il y a les autres, et on salue Gérard Depardieu. Première performance, il s'est placé nu dans du fil barbelé devant l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg. Alors voilà, c'est une œuvre sponsorisée par Castorama. Et un autre acte fort, celui-là, on en avait entendu parler, il s'était cousu les lèvres durant le procès des Pussy Riot, et c'est la preuve qu'on peut donner un avis politique fort tout en l'affermant. Et ça, Alain Finkielkraut pourrait s'en inspirer. Et évidemment, quand on voit cette photo, on se dit « Mais tiens, c'est vraiment con que Nadine Morano soit pas performeuse artistique. » Et la suivante, octobre 2014, il a escaladé nu le mur de l'enceinte du centre psychiatrique Serbsky et s'est coupé un bout d'oreille. Alors, entre nous, c'est une pulsion qu'on a tous un petit peu eue à la 623e écoute de Despacito. Mais lui, il voulait protester contre l'utilisation politique des centres psychiatriques et pour cause, il avait été interné 21 jours avant d'être relâché car il a été déclaré sain d'esprit. Et là, je vous cache pas que le diagnostic m'a un petit peu surpris quand même. Car je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est aussi lui, vous n'allez pas être déçus, qui s'est cloué les testicules devant le mausolée de Lénine sur la plage rouge. C'est un peu le Jésus de la teub. Vous noterez que si le Christ avait été cloué de la même manière, le signe de croix se ferait en se grattant les couilles. Alors, que tirer comme enseignement d'une telle performance? Alors déjà, qu'on perd beaucoup des bienfaits de l'acupuncture hein, quand on le pratique en autodidacte, mais surtout, eh ben, que cet homme, qu'on l'aime ou non, il les a bien accrochés. À la semaine prochaine. Bravo, bravo. On retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, sur cni.fr et sur scène à Paris et dans toute la France. Et maintenant, mesdames, messieurs, l'émission n'est pas terminée, mais on passe au bilan. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Comment s'est passée cette émission, Stéphane? J'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, ça va. Non, on te parle de l'émission. Justement. Vous avez préféré parler d'Emmanuel Macron ou de Lionel? Non, j'ai préféré parler de la Renaissance, et, essentiellement. Et puis vous avez très bien parlé. Et puis d'écouter les autres aussi, c'est intéressant. C'est bien. Mmh. Il est calme. Il est très bien. Jérémy, jusqu'ici, enfin, ton interview est à venir, mais jusqu'ici, est-ce que tu as apprécié l'émission ou pas? Tu peux dire tout ce que tu veux. Ah non, mais moi j'apprécie toujours, même si je suis pas toujours d'accord, mais j'apprécie toujours de... T'as apprécié Elisabeth Lévy, même si t'es pas d'accord avec elle. Ah, on va pas aller jusqu'à apprécier non plus. mais c'est toujours intéressant de débattre avec des gens, même si on n'est pas d'accord avec eux. Moi, je suis très pour ça. Donc, et le témoignage de Stéphane m'a particulièrement touché parce qu'il fait partie de ces gens qui sont très, très entiers. Voilà, c'est quelqu'un qui me touche dans la manière dont il fait les choses, dont il en parle et tout. Quand il est un petit peu attaqué, c'est un grand professionnel, alors évidemment il essaie de pas montrer, mais on voit quand même qu'il est touché et c'est encore une preuve d'intégrité. Moi ça me touche beaucoup, beaucoup. Bah alors là, hey, Jérémy Ferrari, qui a plutôt la dent dure en général, là, ouais. Ça me touche. Il dit que Stéphane l'a touché, c'est une façon de balancer son porc. Balance ton porc. David. Oui. Superbe émission. Non, non. Alors, non. Ah. Allez, arrête. Là-bas, hey, les gars. Vous... Ah ouais. Hey, ils sont au top. Et puis, bon, une découverte de Jérémy. Et je pense que c'est un garçon qui n'a pas sa langue dans la poche. Ah, mais qui est... Non, mais attends, je garde le meilleur pour la fin. Alors seulement. Et Estelle, juste magnifique. Elle fait partie d'une génération où la femme était considérée, qu'il fallait qu'elle ait des formes, qu'on ne parlait pas forcément d'anorexie, et elle représentait ces femmes bien en chair, mais qu'on aime, voilà, on aime les femmes aussi bien en chair. Estelle était plus normande qu'anorexique, c'est vrai. J'espère juste que je représente maintenant, aujourd'hui, les femmes de ma génération. Voilà. Oui, c'est ça. Mais... je le représente le mieux possible. Voilà, et pas trafiqué, normal, naturel. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est pour ça qu'on vous aime. Je prône le naturel. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Je suis désolée, j'étais un peu vite sur votre livre. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que j'aurais dû dire ? Non, non, non. Après, voilà, c'est vrai que c'est un livre qui est fait pour le bien-être pour les enfants. J'en ai fait avant pour le bien-être pour nous, pour se retrouver, pour se sentir bien et justement pour être en pleine présence comme on est là ce soir. Et je crois que c'est vraiment très important. Voilà, et je dis qu'on peut commencer tout petit. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Là, bah aussi voilà. Bien pour merci. Nos enfants. Voilà, Stéphane Bern, merci d'avoir été avec nous. Et merci à tous. Je vous laisse filer, vous partez pour votre mission. Le monsieur patrimoine est appelé à Marseille pour sauver la bonne mère. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et maintenant, mesdames, messieurs, last but not least, on passe à notre invité polémique de la semaine. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. C'est pas cool, c'était moi. Mais moi je reste. Jérémy Ferrari, rebonsoir. Jérémy Ferrari, mesdames, messieurs, le comique qui fait rire avec des sujets légers comme la religion, les handicapés, la guerre et le terrorisme. Alors, Jérémy, en fait, vous êtes comme Marcel Dassault et Bernard-Henri Lévy, votre business, c'est la guerre, en fait. Ah ouais, d'une certaine manière, c'est vrai que j'adore cette photo. C'est un montage, hein. Mais j'adore. Oui, mais par exemple, ça me fait beaucoup rire parce que ouais, moi aussi. Bernard-Henri Lévy vient donc apparemment découvrir un trou où apparemment il y a quelque chose de très dangereux dedans puisqu'il est accompagné d'un jeune homme qui a une arme. Mais le photographe est à l'intérieur de l'endroit. Donc je me suis dit que ça serait drôle de rajouter une tarte et moi dans le. C'est parfait. C'est une grande photo, faut le dire. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je raconte. Après une naissance à Charleville-Mézières et un apprentissage remarqué chez Laurent Huquier, vous êtes devenu en un soir l'humoriste le plus politiquement incorrect de France, l'homme le plus corrosif de l'Hexagone, tout ça pour avoir fait ce que tout le monde rêvait de faire depuis des mois, dire à Manuel Valls de fermer sa gueule. Ce soir-là, chez Ruquier, vous dites « Votre gouvernement est en guerre, nous ne sommes pas en guerre, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. » Immédiatement, Laurent Ruquier vous compare à Daniel Balavoine face à François Mitterrand. Attention aux hélicoptères. Et là, vous devenez une star. Alors, vous êtes quand même, Jérémy Ferrari, ce que Manuel Valls a fait de mieux en 3 ans d'action politique. Maintenant que plus personne ne calcule, il faut bien le dire, il se cache derrière sa barbe, on ne le voit plus. Est-ce que vous pourriez faire un geste pour lui maintenant? Est-ce que vous pourriez lui renvoyer l'ascenseur? Je pourrais quand même lui accorder, lui dire en tout cas que je suis assez fier de sa capacité à admettre que j'ai raison. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dernièrement traité Emmanuel Valls de nazi. Est-ce que vous regrettez quand même ce manque de créativité dans les vannes de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais je regarde tout ça avec beaucoup de... Je peux pas dire de la... Mais, enfin, si, je crois quand même, je peux dire presque de la tendresse, parce que tout ça me fait beaucoup rire. En fait, comme j'accorde pas vraiment de crédit ni d'importance à ce qu'il raconte, du coup, tout me fait marrer. Et dès qu'il dérape, moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, comment ça va? Ça va pas mal. Non, parce que cet été, vous avez fait du canyoning, oui. Vous avez fait de l'escalade, vous avez fait du parachute, mais ce que vous avez fait de plus dangereux, c'est un restaurant libanais. C'est vrai. Une intoxication alimentaire au Liban, comme quoi ce pays est encore très dangereux. C'est marrant parce que ça on peut parler des réseaux sociaux, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc moi je poste ça, évidemment que je suis pas mourant, c'est pour faire une vanne. J'étais vraiment à l'hôpital, mais c'était pour faire une vanne aux gens. Et de là, mais par exemple, c'est pas Twitter qui a repris le truc, c'est la presse. Alors, j'imagine que vous étiez à Beyrouth pour vendre votre 2 pièces. Non, parce que malheureusement, j'aurais voulu jouer le spectacle. Parce qu'évidemment, on m'a dit, mais pourquoi tu vas pas jouer le spectacle au Liban? Et j'aurais adoré aller jouer le spectacle au Liban, mais il y a un comité de relecture et de censure. Donc je ne pouvais pas jouer le spectacle en l'état. Donc j'ai dit, bah, je vais juste aller manger au restaurant et vomir. Mais voilà, je ne viendrai pas malade à la place. Alors le spectacle, vous l'avez compris, s'appelle « Vend 2 pièces à Beyrouth ». C'est un 2 pièces que vous avez beaucoup de mal à vendre parce que ça fait quand même déjà plusieurs années que vous êtes sur scène. Vous avez fait 250 000 spectateurs. Votre spectacle est dans le top 5 des meilleurs one-man shows, en tous les cas ceux auxquels le plus grand nombre de gens assistent. Alors là, on va voir un extrait du spectacle où vous parlez du pompiste qui voit arriver des terroristes, en fait. Bah, en fait, oui, je parle de ce pompiste dont on a très peu parlé, les 2 frères Kouachi, pendant leur cavale, à un moment donné, s'arrêtent dans une station-service pour acheter des sandwichs, et on n'a pratiquement pas parlé de ce pompiste. Je crois qu'il a refusé un peu, c'est son droit. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer la tête du mec quand il voit les 2 frères Kouachi rentrer dans la station-service. C'est très drôle. On regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir à tous, bienvenue, suite de cette édition spéciale en direct sur BFM TV. Ce soir, c'est la traque qui est en cours. Les frères Kouachi ont été identifiés comme les suspects principaux de cet attentat terrible. Hier, à la mi-journée, dans le centre de Paris, les forces de police sont déployées en partie dans le sud du département de l'Aisne, c'est au nord de... Ils ont terrorisé la France, 10 ans avant l'attaque de Charlie Hebdo. Leur photo est placardée dans... Les toilettes? Oui, les toilettes, c'est la petite porte qui est sur notre gauche. Non, c'est une porte qui se tire. Non, elle n'est pas bloquée, c'est parce que vous la poussez. Non, elle se tire. Non, la porte se tire. Non, vous êtes sur le côté, là. Non, elle se tire. Elle se tire, je sais pas quoi vous dire de plus. Elle se tire, je sais. Vous n'avez plus de cartouche ou quoi? Alors, moi j'ai vu le spectacle de Jérémy au printemps dernier, c'est extraordinaire. Je suis sorti de là, j'étais à ça du sol, parce que c'est un spectacle, on va en parler, mais qui est à la fois drôle, mais très documenté. Je vous dis ça de bon cœur, c'est formidable. Donc Jérémy Ferrari est en tournée dans toute la France, profitez-en. Plus 3 représentations exceptionnelles. 15, 16, 17 décembre à Paris, salle Pleyel. Je vais y retourner. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et aujourd'hui, il y a le livre, ça s'appelle « Happy Hour à Mossoul ». C'est illustré par Patrick Borkowski et c'est publié chez Michel Lafon. Alors, le pitch, vous affirmez, c'est n'importe quoi, ce livre. Bah oui, oui. Bon, en fait, pour la petite histoire, on va dire, avec le premier spectacle, j'avais déjà fait un livre qui était une prolongation du spectacle, où j'avais repris les textes du premier spectacle que j'avais pas pu utiliser sur scène et que j'avais mis en livre illustré. Donc j'avais déjà fait un peu ce travail. Et j'ai voulu refaire un peu la même chose avec Vendre 2 pièces à Beyrouth, c'est-à-dire reprendre tout ce que j'avais pas pu utiliser pour le mettre dans un livre illustré. Mais finalement, je me suis un peu emballé dans mes recherches et au final, il y a 70% de nouvelles recherches. Voilà. Et c'est un livre, en gros, où je traite toutes les grandes guerres qu'on connaît, comme ça, au moins de nom. Et j'essaie d'être le plus original possible à chaque page, en fait. De traiter toujours de manière... C'est drôle et factuel, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous dites, le savoir, c'est le pouvoir, et je voudrais que tout le monde s'en saisisse. Ce livre, toutes les anecdotes que je raconte sur toutes les guerres que je peux évoquer, je les découvre presque en les écrivant. C'est-à-dire que je fais une recherche, je vois un truc qui me fait marrer, je dis, putain, faut que je raconte ça aux gens, ça va les faire rire. Ouais. Et après, mon travail, c'est de la raconter de manière originale. Mais donc, je dis juste aux gens, arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de comprendre les choses. Arrêtez de penser que c'est trop compliqué pour vous. Oui, parce qu'on dit géopolitique. tu dis géopolitique à quelqu'un, il fait une descente d'organes immédiate. Il a juste envie qu'on arrête de dire ce mot, il dit je sais même pas l'écrire, je sais pas, je veux pas. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Si moi j'ai pu le faire sans diplôme, j'ai pas le bac, j'ai rien, je suis pas un intellectuel. Si moi j'ai pu le faire, les autres peuvent le faire. Et dans ces spectacles, c'est pour ça que je précise tout le temps que c'est pas un télo, c'est le but, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a rien de trop intelligent pour les gens. Voilà, ça commence avec la guerre de 14-18, évidemment, avec cette phrase d'Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Ça a été une boucherie terrible, vous racontez l'histoire des tirailleurs sénégalais, là. L'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que dans les tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais. Ouais. Alors il y a peut-être plein de gens qui le savent, ça. Moi je ne savais pas. Il y avait notamment des Burkinabés. Et je veux dire, on est dans un tel irrespect de ces populations qu'on ne prend même pas le temps de rajouter leur nom dans l'intitulé. Juste, c'est des Blacks, on va pas se prendre la tête, c'est tous les mêmes, on les appelle les Sénégalais. Et je trouve que, par exemple, ça, c'est des trucs qu'on a peu dit et que je trouve intéressant de soulever. Alors, il y a la Seconde Guerre mondiale avec les meilleures punchlines de Churchill. Et là, je vais quand même en balancer quelques-unes parce que c'est quand même énorme. Un soir, la vice-présidente du Parti travailliste dit à Winston Churchill, « Vous êtes ivre ». Et il dit, « Oui, madame ». Mais vous, vous êtes laide et horriblement grosse, et moi, demain matin, je ne serai plus sous. Sur Hitler, il dit, je ne déteste personne, mais je ne crois pas avoir d'ennemis à part Adolf Hitler, et encore, c'est professionnel. À propos de la France, il dit, le Tout-Puissant, dans son infinie sagesse, n'a pas cru bon de créer les Français à l'image des Anglais. Et sur le pape, il faudra faire attention à ne pas bombarder le pape. Il a des amis influents. Voilà, c'est très drôle, c'est très drôle. Alors, il y a un match de foot, c'est beaucoup moins drôle, entre les nazis et les Ukrainiens à Kiev. Il y a, à un moment donné, donc, Kiev est occupé, et puis les nazis, qui ont toujours cette faculté à faire rigoler tout le monde, disent, oh, tiens, on pourrait faire un match de foot. Alors, évidemment, ils veulent faire le match contre la meilleure équipe ukrainienne et se prennent une énorme branlée, évidemment, puisque eux sont... C'est pas des joueurs de foot. Et du coup, ils sont vexés, alors ils font des revanches, ils perdent tout le temps. Et puis, à la fin, ils font une espèce de match un peu revanche, truc très médiatisé, il y a tout le monde qui est là, etc. Et ils disent, on va constituer notre meilleure équipe, et ils prennent les aviateurs allemands. Je vois pas en quoi des aviateurs, c'est la meilleure idée pour constituer une équipe de foot, mais enfin, faut pas chercher la logique chez les nazis, c'est pas leur fort. Et ils font ce match, et ils perdent. Et une fois que le match est terminé, ils prennent tous les joueurs et ils les déportent et ils les exécutent. Et je trouvais que le truc était incroyable de savoir que ces mecs qui savaient pertinemment qu'ils allaient mourir, ils ont quand même de jouer. Ils ont battu les nazis. Et d'aller jusqu'au bout. Alors la colonisation, vous dressez la liste de tous les endroits du monde, dites-vous, où la France a tenté de sortir de leurs conditions animales tous ces sauvages qui préférait parler aux arbres que construire des clubs med. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire, bravo. Alors vous savez quand même que sans la colonisation, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde, quand même. C'est ce que je dis. Enfin, je dis qu'à cette époque-là, ils jugeaient beaucoup les communautés, sauf quand il s'agissait de constituer une armée. Ouais. Et c'est pareil, parce que la colonisation, c'est un sujet dont on parle énormément, etc., souvent. Et j'avais envie quand même de remettre vraiment un pavé dans la mare, parce que, par exemple, j'ai dit, bon, j'ai fait tout un chapitre sur la colonisation où je défonce vraiment la France et tout. Je dis, je vais essayer quand même d'aller chercher aussi l'autre pendant. J'avais entendu parler, par exemple, que Voltaire luttait contre l'esclavagisme, et ça, je vais quand même aller lire un peu ce que disait Voltaire. Et puis au final, donc oui, il lutte contre l'esclavagisme, et c'est vrai, c'est un des premiers, et il a des phrases où il lutte contre l'esclavagisme, sauf qu'après il dit, mais bon, en gros, hein, c'est pas la phrase exacte parce que je l'ai plus en tête, mais en gros il dit, mais les Blancs sont supérieurs à ces nègres, qui sont supérieurs aux singes, qui sont supérieurs aux huîtres. Donc en fait, il défend pas, il n'est pas en train de... Il est juste, c'est comme moi, je défends la corrida. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire vous faites un peu de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'à l'époque de Voltaire, c'était comme ça. Oui, mais c'est pas parce que... Donc on peut pas reprocher à des gens qui ont vécu il y a 500 ans d'avoir des... Ah, mais moi, je ne reproche rien du tout. Moi, je pose des faits. Je reproche rien. Mais on ne peut pas non plus dire que ça correspond à une époque. Parce que vous prenez par exemple quelqu'un comme Alexandre le Grand, c'est encore plus vieux, qui a construit un des plus grands empires mondiaux, peut-être même le plus grand, assimilait les cultures. Il arrivait quelque part, il disait, vous ne détruisez rien, vous essayez de comprendre leur culture, vous les respectez, et si cette culture vous convient même, plus, eh bien, convertissez-vous à cette culture. Donc, c'est pas... Je refuse cette idée que l'homme, naturellement, détruit... C'est un livre d'histoire, en fait. Léon Blum, qui était quand même socialiste, s'il en est, Léon Blum, le Front populaire, etc., a déclaré en 1931 à l'Assemblée nationale, il est du devoir des races supérieures d'aider les races inférieures. Léon Blum. Mais on était en 1931, on n'était pas en 1972. Thierry, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, alors, il faut arrêter de mettre le mot colonial sur la monnaie africaine. Actuellement, en Afrique, ils payent avec des francs CFA. Oui. Colonial. Ouais. Donc, une monnaie qui est fabriquée en France. Et qui est détenue par des banques qui ne sont pas africaines, ils n'ont pas de banque. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut arrêter de parler du passé, mais dans ce cas-là, il faut effacer les erreurs du passé. Et tant que les Africains en Afrique liront le mot « colonie » sur leur monnaie, je continuerai de dénoncer ce qui me semble injuste dans le passé. Alors, sur la guerre d'Algérie, vous donnez la recette de la crevette Bijar. On se souvient tous du général Bijar. La crevette Bijar, il faut un Algérien, il faut 10 à 15 kilos de ciment à prise rapide et une grande masse d'eau pour le jeter dedans. Parce que, ça, c'est pareil, mais pendant que je fais mes recherches, j'arrête pas d'entendre parler Bijar, Bijar, Bijar. Et puis à chaque fois, je vois, il a été accusé de torture, qu'il a toujours nié. Puis je vois des mecs qui disent, faut arrêter de parler de la torture et de Bijar, etc. Bon, donc c'est un truc qui passe comme ça. Et puis à un moment donné, dans une autre de mes recherches, je découvre une torture qui s'appelle la crevette Bijar. Ouais. Et le mec dit, non, non, c'est pas moi. Sauf que dans le monde entier, on appelle ça la crevette Bijar. Donc j'ai dit, bon, bah, comme apparemment il n'a pas fait de torture, c'est un excellent cuisinier, alors on va mettre ça en avant, on va expliquer sa recette. Alors, il y a aussi, vous parlez du conflit israélo-palestinien, il y a un truc, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les Israéliens et les Palestiniens se déchirent, parce qu'ils ont le même ennemi, le cochon. Il y a un mec qui a écrit une chanson comme ça, qui est très drôle, qu'on peut voir sur Internet, je crois qu'il a fait que sur Internet, où il fait une chanson genre où il dit ça, il dit bah, on est Israéliens, on est Palestiniens, on n'a qu'à ne pas manger du cochon ensemble. Et je trouve que c'est bon. Très drôle. Non, c'est très bien, bravo. Le livre est très bien. Alors, j'ai vu que vous preniez la pause écrivain maintenant, hein, c'est-à-dire, voilà, alors là... C'est quoi cette histoire là? Vous faites l'écrivain maintenant? Non, mais j'ai eu la chance parce que je suis content quand même d'avoir fait la couverture du Parisien Magazine. Bah oui. Et de là, il y a une séance photo qui s'organise à la bibliothèque Beaubourg parce qu'on trouve que ça correspond à mon image. Je suis jamais dans une bibliothèque de ma vie. C'est la première fois que je vais à Beaubourg. Je savais même pas où c'était. J'ai vu un bâtiment. Je dis, je crois que je suis devant. Ça me paraît grand pour une bibliothèque. Donc de toute façon, vous êtes bien là. Je me suis quand même défendu parce que si tu veux la vérité sur cette photo, il voulait au départ que j'ai une loupe dans la main. Ah ouais. Et que je lise l'article avec une loupe. Je dis, mais dans quel... Enfin, là, c'est Stéphane Bern, il y a 400 ans, mais plus personne ne loupe. Avec une loupe. Voilà, Jérémy Ferrari, donc, l'humoriste qui emmerde les politiques à ne pas confondre avec les humoristes qui emmerdent le monde. Voilà. Maintenant, Jérémy, je vous demande de faire un gros effort. Je vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. D'accord. On va faire une interview eau dans le vin. Alors, qu'est-ce que François Hollande a le mieux réussi? Bah, il a bien réussi à tenir sa ligne. Il n'a pas perdu de poids pendant le mandat. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche chez Nicolas Sarkozy? Ah, la question, c'est qu'est-ce que touche Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qui vous éblouit chez Benoît Hamon? Je crois que c'est cette capacité qu'il a à briguer un mandat présidentiel alors qu'il n'arrive même pas à trouver quelqu'un qui veut manger à côté de lui à la cantine. Qu'est-ce qui est irréprochable chez Jean-Luc Mélenchon? Je pense que c'est son dossier de demande de prêt. Parce que, en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il avait fait un prêt. Donc, on parle quand même d'un monsieur donc, qui se découvre révolutionnaire donc, en avril vers 15h. C'est ça, oui. Et alors, comme tout révolutionnaire anticapitaliste, il va à la banque demander un prêt pour financer sa campagne. Là, il explique aux banquiers que son projet, c'est quand même de fermer les banques. Hein, et il repart avec 8 millions d'euros. Putain. Donc je pense que son dossier de prêt doit être irréprochable, parce que ma mère, qui a demandé 5000 juste pour faire des bacs à eau devant sa maison, elle l'a pas eu. Alors ça doit être... Je pense que le dossier est... Qu'est-ce que l'histoire retiendra de Christian Estrosi? Ça, c'est vraiment... des questions très méchantes. C'est pervers, ça. Parce que vous savez très bien que l'histoire ne va rien retenir de lui, sauf que vous voulez que moi je le dise pour que tout le monde se foute de sa gueule. Non, et c'est très méchant comme question. Qu'est-ce que vous trouvez admirable chez Rachida Dati? Putain, oh la question impossible. Je pense que ce qui est admirable chez Rachida Dati, c'est d'avoir été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy et de continuer à l'assumer sur son CV. Oui. Je trouve que ça, c'est... C'est incroyable. Ah. Qu'est-ce qui vous fait moins peur qu'avant chez Marine Le Pen? Mais alors moi, j'ai jamais eu peur de Marine Le Pen. Donc vraiment, j'ai grandi dans un quartier populaire, avec beaucoup d'immigration, dans une famille de blancs. Donc les vieilles racistes de 60 ans, je les connais bien. Il y en a une, je l'appelle maman. Enfin, c'est pas des choses qui me font peur, en fait. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à Florian Philippot? Sa ressemblance avec Jules-Édouard Moustique. Non mais il faut vraiment voir ça. Non mais c'est incroyable. Et la dernière, la plus importante, qu'est-ce qui distingue Emmanuel Macron de tous les autres? Comme ça, là, je vois pas. Il faudrait qu'il réfléchisse un petit peu. Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi avec Stéphane, David, Jérémy, Estelle, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous demain à 19h05 pour les terriens du dimanche. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Et n'oubliez pas, les terriens n'ont peur de rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.